Alors nous, on est le Storm Toulouse Quidditch, donc on est une équipe de Quidditch Moldu. Et on est là pour promouvoir donc notre sport et recruter de nouveaux membres parmi la communauté des gens qui vont au TGS. Alors le Quidditch, donc c'est un sport qui a été créé donc au début des années 2000, en 2003 il me semble. Donc c'était évidemment un sport tiré de l'univers d'Harry Potter qui a été adapté donc pour les non-sorciers. Ce sport se pratique sur un terrain donc en gazon qui fait une trentaine de mètres de long. 6 joueurs contre 6 joueurs, plus un 7ème dans chaque équipe qui joue le poursuiveur et qui ne rentre en jeu qu'à partir d'une vingtaine de minutes. Donc sur ces 6 joueurs, comme dans Harry Potter, 3 poursuiveurs dans chaque équipe, 2 batteurs et un gardien. Les poursuiveurs jouent le soif, donc le ballon qui sert à marquer des points dans les anneaux, et les batteurs essayent d'empêcher les poursuiveurs de marquer. Alors dans la théorie, tout le monde participe au Quidditch, simplement nous on ne prend que des membres qui ont plus de 14 ans. Parce qu'avant 14 ans, on passe dans une catégorie qui s'appelle le Quidditch avec un K. Donc c'est du Quidditch pour les enfants et on n'a pas encore d'équipe de Quidditch pour les enfants. On essaye d'en monter une, mais c'est un projet. Donc de 14 ans jusqu'à 77 ans. Et donc il n'y a aucune contre-indication et surtout, il faut se rappeler qu'on fait du Quidditch. C'est-à-dire que si vous pensez que vous n'êtes pas sportif, que vous pensez que vous n'êtes pas assez endurant, que vous n'êtes pas assez quelque chose, ben nous, on n'en a rien à faire, on fait du Quidditch, donc vous venez selon vos compétences et vous vous amusez avec nous, c'est ce qui compte. On est basé sur Toulouse et on s'entraîne tous les dimanches aux Argoulets à 14h. Alors vous pouvez retrouver Toulouse Quidditch sur internet en tapant Toulouse Quidditch sur Google, vous nous trouvez, on a un site à nous. Après on est évidemment présent sur Facebook, mais aussi sur Instagram ou sur Twitter.